Nous sommes à la Foire du Livre, je suis venu présenter Congo Incorporated, qui est cette histoire sur ce pygmée Isso Kanga, un pygmée qui vient de la forêt, qui n'aime pas la forêt, qui préfère la mondialisation. Et donc voilà, il débarque à Kinshasa face à cette mondialisation qui est là et qu'il faut essayer d'y réfléchir. Donc lui, il est venu à Kinshasa pour essayer de réfléchir à cela. Évidemment, quand on parle de mondialisation, évidemment pour le Congo, on ne peut pas rater la guerre du Congo, qui est le premier grand drame de cette mondialisation. Et avec ses 6 millions de morts, ses 500 000 femmes violées, mutilées. Alors évidemment, Congo Incorporated, c'est aussi des personnages. Et cette foire du livre de Bruxelles, aujourd'hui, le thème, c'est les liaisons dangereuses. Dans Congo Incorporated, il y en a plein. Il y en a plein. C'est d'abord cette liaison entre la politique et l'économie, alors ce qui produit des guerres. Il y a aussi ces relations dangereuses, ces liaisons dangereuses entre les personnages, un criminel de guerre qui s'amourache d'une esclave sexuelle qu'il a ramenée du Kivu et qui ramène à Kinshasa. Il y a Chacha la Jactance, une gamine de 15 ans qui est prostituée, qui a comme client un officier de la MONUC. On a Gong Xian, qui est une chinoise de Chongqing, qui est harcelée par un policier qui fait une enquête sur son mari. Donc on est vraiment dans les liaisons dangereuses. Et voilà, et cette économie, les mines, ce Congo. Voilà, on en est là.